Coucou tout le monde. Alors, comme promis, je vous fais une vidéo, une mini vidéo, elle va pas être très très longue, sur où j'achète mes fils, enfin où j'achète désormais mes fils, parce que avant j'achetais mes fils sur un site américain qui s'appelle Bidholic. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'achetais également sur le site Perlinco ou Hyperl. Donc voilà, ça coûte quand même assez cher. Donc je vous parle bien sûr de mes fils multibruns. Donc il y a ceux-là. Donc les couleurs diffèrent aussi. Ce sont des fils tressés. Donc qui sont très très résistants et très bien pour faire vos tissages. Donc il y a plusieurs marques. Il y a la marque Bidalon qui fait du Dandelion. Il y a la marque Fireline. Donc il y a deux couleurs, plusieurs couleurs, enfin je crois trois couleurs aussi. Il y a le gris foncé, le noir et le blanc. Donc là il y a le blanc et les tailles diffèrent aussi. Donc il y a la marque Bidalon qui fait aussi du Wildfire. Donc les tailles diffèrent aussi et il y a aussi, je crois, le noir et le gris foncé. Le blanc, je ne sais pas s'ils font du blanc, je pense bien. Mais bon, voilà, j'ai opté, au départ, j'utilisais que ce genre de fil. Et ça me revenait assez cher parce qu'une bobine coûte pas loin de 8-9 euros, quoi, donc... Je me suis dit, ça coûte quand même assez cher et du coup, je ne faisais pas énormément de tissage. Et mon alternative, c'était ce genre de fil. Donc, c'est du fil Nimo où donc la taille diffère aussi. Donc, vous avez la taille D donc qui est plus épaisse et les tailles A qui sont un peu plus fines. Donc voilà les tailles Nimo, enfin les fils Nimo, pardon, vous les trouvez également sur les sites comme Hyperl, Perl & Co et d'autres sites. Alors, j'ai donc décidé de changer et de me procurer, j'ai fait beaucoup de recherches avant de trouver une boutique sur AliExpress. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. AliExpress, c'est un peu comme eBay qui regroupe beaucoup de vendeurs asiatiques. Et donc, j'ai trouvé ce vendeur qui vend... C'est en fait un vendeur de fils de pêche et de matériel de pêche. Et quand vous achetez sur AliExpress, vous recevez vos... votre matériel dans un carton comme ceci. Voilà, c'est assez bien emballé. Et le packaging est bien aussi. Donc, il y a certains fils qui sont emballés dans des petits paquets comme ceci, en plastique. Donc, vous voyez, moi, j'en ai commandé 6. Donc, 3 de cette marque-là. Et... celle-là, ces bobines-là, j'en ai pris 3 également. Et celle-là, je vois que quand j'ai été très agréablement surprise quand je les ai vues, c'est exactement le même tressage. Enfin, je sais même pas, je sais pas si on dit tressage. C'est exactement le même tissage que avec la marque Dandelion, avec la marque Bidalon ou la marque Fireline. Donc, c'est tressé exactement pareil. Donc, ça, c'est le fil Dandelion. Et à gauche, le fil... alors, c'est quoi le nom? Fighter, The Dawn of the Victory. Enfin, de la boutique sur AliExpress. Donc, vous avez à gauche AliExpress et à droite Fireline. Non, pas Fireline, Dandelion. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, vous allez voir qu'il n'y a quasiment pas de différence.
au niveau du tressage. Donc voilà. Donc je suis très très satisfaite et je peux vous dire que vous pouvez aller les yeux fermés parce que non seulement vous en avez pour votre argent, pour votre argent, ça va vous durer un temps, ça va vous durer très très longtemps pour faire vos tissages. Donc voilà, je voulais partager cette trouvaille avec vous parce que pour moi, je ne conçois pas de perdre, enfin pas perdre, de dépenser beaucoup de sous pour juste une toute petite bobine de fil. Donc voilà. Et donc AliExpress vous donne la possibilité d'acheter des fils pour un bon prix. Et là, je tiens à préciser que je ne fais pas de publicité ou de partenariat. C'est pas un partenariat, c'est pas voilà, c'est juste pour vous, pour partager avec vous ma trouvaille. Je vous mettrai le lien direct des fils que j'ai achetés. Donc ce fil là, il vient en lot de 3. Donc j'ai acheté un lot de 3, je crois que c'était 15 euros les 3. Et cela en individuel, je crois que la bobine était de moins de 4 euros. Je vous mettrai le lien direct en barre d'infos et allez regarder, vous en aurez pour votre argent. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, où vous pouvez acheter vos fils tressés. Parce que j'ai souvent beaucoup de questions, où acheter le fil, quel genre de fil vous utilisez. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. À avoir un peu plus de la quantité, c'est surtout la quantité qui compte. Et là, non seulement il y a la quantité, il y a la qualité. Donc là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous voulez partager avec des connaissances, des personnes qui cherchent aussi ce genre de fil, à acheter ce genre de fil. N'hésitez pas. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao !